da 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 da. Vroom vroom, totalement Matt. Bah, on va y aller. Tout sur Twitch. Ouais, bon, YouTube il arrête pas de merder en ce moment. J'ai essayé de lancer dessus et ça a pas fonctionné. Donc, d'ailleurs, j'espère que pour ce soir, Genshin Impact ça va être bon parce que sinon ça fera faire encore un Genshin Impact sur Twitch. Parce qu'on compte faire les boss du monde. City, on aime peut-être faire brûler nos pneus et du carburant, mais c'est pas comme si on n'était pas écolo. Il n'y a qu'à voir les éoliennes qui se trouvent dans les montagnes. C'est une des destinations pour les épreuves, alors tu vas souvent les voir si tu veux décrocher le permis Burnout Elite. Burnout Elite. Donc on va voir parce qu'on fait les trois boss, puis ensuite on aimerait faire l'histoire de la Shogun, en fait. Donc on va voir si on visite l'île ou pas. Ou si ce sera dimanche. Du coup, eh ben on a une course juste ici. On va pouvoir se mettre dans le bain. Norway jusqu'à White Mountain Wine Farm. À chaque fois, je me fais avoir dans ce coin. Faut que j'aille par où? Mais je l'ai déjà faite cette course. Bleh. Oh, sûrement. C'est un remix d'animé, donc tu connais sûrement.
C'est Black Clover. Ok, tu parles d'un raccourci. Du coup, je l'avais pas déjà faite, cette course? A priori, non. Pourtant, elle me disait quelque chose. Bizarre. Hein. Ah Allez. Ils me font démarrer dans le mur. Le thème de Noano. Non, oh, je mets de l'Eurobeat. Après, j'essaierai avec la guerre Sega et tout ça. Ah, attendez. Là, j'avais préparé ma petite playlist et tout. Il y avait un poteau. En fiche-toi quand même, bah vas-y. Le beau poteau. Allez, temps écoulé, on a gagné. Permis de classe B dans 2 victoires. La Hunter Manhattan roule dans les rues de Paradise City. Si tu la vois, fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection. Ok. Alors, est-ce qu'on a une course pas loin? C'est très vide ce coin ici. On va explorer un peu parce que ça veut dire que j'y suis jamais passé si c'est vide. Ce que je pensais.
Wildcats Baseball Stadium. Ouf, ah ouais, c'est une grosse course ça. Pas besoin de réparation. Est-ce que par là j'y accède plus rapidement? Totalement. On va prendre l'autoroute, ce sera plus rapide. Je regarde la carte et voilà. Bah en fait la cam elle me rend invincible pendant un certain temps. Donc ça va. Ça pourrait être perturbant mais ça va. Et puis elle me remet sur la route en fait. J'ai l'impression. C'est pas comme dans Burnout 3 où c'était en fait on continuait de rouler même en étant avec la cam enlevée. Alors celle-là je l'ai déjà faite. Un contre-la-montre que je peux pas faire. Ça c'est une poursuite. Le truc jaune c'est quoi? Ouais c'est les poursuites. Et ça haut. Alors juste aller me réparer parce que les poursuites c'est. Où sont les réparations? Ah, elles sont là. Ou toi. Généralement pour avoir la bagnole faut pas que je me sacrifie en même temps. Où ça? Ah ok. À l'autre bout quoi. Encore. Bien joué. Alors là, ils m'ont bien eu. Oh.
Ils peuvent tellement m'envoyer dans le décor quand ils veulent. C'est chaud. Ah, c'est sûr que si tu mets des trucs que tu dois casser, mais quoi, à l'autre bout, tu mets un poteau sans prévenir. Un peu compliqué. Si je prends l'autoroute, ça fait quoi? Ça fait que je vais louper la sortie. La moitié des dégâts, c'est pas les bagnoles qui me l'ont fait, c'est moi qui fonce dans un mur comme un con. Allez, permis B! Les épreuves ont été effacées. Faites l'amélioration de ton permis avec une nouvelle voiture. La Carson Fastback a été livrée à la CAF. Ah, c'est peut-être pour ça que je me dis que j'ai déjà fait ces courses-là. Parce qu'en fait, elles augmentent en difficulté et elles deviennent de type A, type B et tout ça. Ah ouais, là on avait une épreuve par exemple de course, elle a disparu. Ils placent de nouvelles épreuves en fait à chaque fois, c'est pour ça que ça me dit quelque chose à chaque fois. Ah, mais il y a une casse ici. Tu te demandes ce qu'on utilise à Paradise City pour trouver le bon chemin? Non, pas forcément. Je ne sers que de la boussole. Mais je connais des pilotes qui n'arriveraient pas à passer le bout de leur rue sans la mini-carte. Trouve ce qui te va le mieux et tiens-toi à ça. Bah, comment? La mini-carte. Il y a un fil d'histoire ou pas? J'ai pas l'impression. Je garde ma bagnole, je l'adore celle-là. Petit road rage, ça va faire plaisir. C'est pas celle-là? Bah alors, tu veux pas démarrer road rage? Ah bon. Road rage. Inflige des tech down aux autres avant qu'ils ne détruisent ta voiture ou que le temps soit. 4 tech down, oh, simple. Parcours toute la ville et atteins l'objectif. Je me rappelle d'un jeu où il fallait faire 50 tech down à un moment. Bien joué. Salut Yann. Hop là. Ça va et toi? Bien dormi? Bien reposé? Pas trop dur le réveil ce matin?
Alien Fireteam. C'est quoi, c'est un Battle Royale t'as un alien et 4 joueurs, c'est ça? Inverse, t'as 4 aliens et un joueur. Ça doit être abusé, ça doit être trop fort. Le joueur est soit il est hyper puissant et c'est un Space Marine, soit. Voilà. Ah, une horde d'aliens. Bon, on va rouler un peu histoire de trouver un truc à faire. Hein. Ah bah attendez. Bizarre, je vois un point bleu sur le map. Il est bugué. C'est bien ce qu'il me semblait. Étrange. Ils me mettent un point bleu ici, mais il apparaît pas sur la map. Toi t'es à moi. Sans effort. Là, je vais monter cette route. Faut juste penser à faire les zigzags à un moment, quoi. Cross le tort en plus, pour ça. Oh, bon, d'accord. Qui c'est qui a foutu un poteau au milieu de la route? On s'étonne qu'il y ait des accidents tout le temps. C'est moi le poteau. Chasia, I'm not Chasia. Prochain zigzag, faut le prendre. J'ai pas dit prochain poteau, faut le prendre. J'ai dit prochain zigzag. À droite, à droite. Chasia. Ok. Sont de plus en plus rapides les bagnoles en face. Hein.
assez plaisant à force. On n'a pas la domination extrême au moins. Maintenant, il leur manque un peu d'intelligence, peut-être, et c'est bon. Allez. Je me bats avec des coéquipiers. Parce qu'ils font pas les bons trucs. La cave sonne un bénet de grande marée, roule maintenant dans Paradise City. Si tu la vois, fais-la s'arrêter. On dirait une Excalibur. Super jump raté. Il y a des entrées vraiment, c'est... Si t'arrives à fond, t'arriveras jamais à rentrer dedans en fait. Side of chest. Alors. Oh, oh mais merde. Non, il mène la partie. Bon, je dois avoir bon. Voilà. J'ai pas qu'un peu bon. Yep. Bonk. Alors ça, c'est du bonk. J'ai coincé, chef. Ah, c'est bon. Alors, ensuite. Wildcats Baseball Stadium.
C'est la même que tout à l'heure. Mais en plus difficile, du coup. Mais... J'ai vraiment pris une route difficile, je pense. Je vais faire beaucoup de zigzags. Je vais peut-être la perdre, celle-là. J'ai vraiment pris une mauvaise route. Je vais essayer de se rattraper. Ils sont où? Ils sont là. C'est compliqué. Allez. On va essayer de booster un peu tout ça. On a la voiture de K2000 à Pato. On peut tout faire. On peut même rentrer dans un mur, David. On peut vraiment tout faire avec. Ils sont vraiment à côté là. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Oh putain, deuxième, non? Oh là 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 là. C'est limite. Pour à peine je casse le poteau. Première course de perdu, sans compter les premières que auxquelles j'ai dû m'habituer. Ok. On va éviter de passer par l'autoroute, du coup, cette fois-ci. C'est quoi le mieux? Ça va être de tourner là. Bah il y a des recoins dans cette ville. Les parcours, c'est horrible pour ça. En même temps, la map elle est tellement grande que je la connaîtrai jamais par cœur, donc le nombre de crashs que je vais me faire, ça... Coming down, can you feel your satisfaction? You're the map.
Ça aussi, ça doit vous dire quelque chose comme musique. Si vous connaissez les grands classiques, bien sûr. Si vous êtes des incultes, c'est pas de ma faute. Le gars qui attaque gratuitement. J'en suis où? Okay. Faut que je fasse les zigzags après. Ouais. J'ai tout en haut des zigzags. C'est pas ces zigzags là. C'est celui-là plutôt. Je connais tout et rien, tu sais. Ah bah ça. C'est le problème d'être chinois ça. Non, non, j'aurais pas dû la faire celle-là. Pardon. C'est sorti tout seul. J'ai pensé à Genshin Impact, ça y est, ça sort tout seul. Hop. J'ai de la pluie qui rentre chez moi, je vais vite fermer ma fenêtre. Ah, c'est trompé. Qu'est-ce qui se passe? Bah, disons que j'ai une piscine sous ma fenêtre. Et voilà. Bouin. Ça, vous connaissez cette musique, par contre. Bah, et voilà. Classique. Parce que bon, autant devoir se prendre des copyrights, autant avoir de bonnes musiques, quoi. Si on doit se faire chier avec les copyrights. Et en plus, les copyrights de ces musiques sont plus coulants que les copyrights des musiques du jeu. Shingeki no Naruto Peace. Dites-vous que ces musiques-là, je partage les revenus avec les créateurs. Eh mais c'est un duel, j'avais pas fait attention. On est à deux. Oh, c'est trop cool. Ça me rappelle Burnout 3. Ça va me donner envie d'y retourner à Burnout 3.
Burnout 3 que j'ai déjà terminé à fond il n'y a pas longtemps. Et j'ai déjà envie d'y retourner. C'est un excellent jeu, Burnout 3. Je pense que j'y retournerai juste pour le fun, un après-midi. Ah, et je regarde le message de Matt, je me prends une bagnole. Bravo, Matt. Du coup, t'as des bugs de quoi? T'es sûr que c'est pas moi qui merde? Ah non, moi les débits sont bien. Ok, donc c'est bien toi. J'ai pas eu de drop ou quoi que ce soit. Ouais, c'est bien toi. Mais en ce moment, il y a énormément de bugs de connexion. C'est pas que YouTube ou Twitch ou quoi que ce soit. C'est les... Comme je disais hier et avant-hier, au mois de septembre, tous les opérateurs font le tri et des mises à jour sur leurs trucs. Donc forcément, tout le monde bug à ce moment-là. Et encore plus ceux qui sont chez les filiales, donc SFR, Free, tout ça. Encore chez Orange, c'est limite, mais ça va. Je n'avais pas regardé votre antenne. Je regardais pas mon tel, je regardais mon PC. Et dans la loi, il n'est pas marqué qu'il est interdit de regarder son PC. Il est juste interdit de regarder son tel. Et ils peuvent pas interdire de regarder les écrans parce que le GPS est un écran. Donc ils peuvent pas utiliser le mot interdit de regarder les écrans. Ouais, ouais. Ni appareil électronique d'ailleurs, parce qu'un GPS est un appareil électronique. Sinon ça voudrait dire qu'on n'a plus le droit de regarder le GPS au volant, et ça, c'est un peu con. Faut jouer sur les mots, c'est la seule façon de gagner, la plupart du temps. Regarde Alix, ce matin, il a fait justice sur pas mal de choses. Ça m'avait fait rire quand je me suis levé d'ailleurs. On en parlait justement hier parce qu'on allait acheter des mangas et le vendeur chez qui on allait, il avait des dizaines de mangas réservés mais à la même personne en fait. Et du coup bah c'était sûr que la personne qui avait réservé ces dizaines de mangas, c'était un receleur de mangas neufs qui les revendait quoi. Et du coup on en discutait et le vendeur il fait ouais mais moi je peux rien y faire en fait, on m'achète les trucs. Moi je peux que les vendre, je gère pas ensuite, une fois que c'est à quelqu'un d'autre, c'est pas à moi de gérer. Il m'a acheté, je vends, mais c'est pas moi qui devoir, enfin qui doit prévenir la police. C'est les gens qui vont acheter qui doivent prévenir. Et sur la plateforme sur laquelle il est. Ils doivent signaler et tout en fait. Donc voilà. C'est aux gens de signaler. Les vendeurs peuvent rien y faire. Enfin les vrais vendeurs en tout cas, pas ceux qui revendent. Oh, je l'avais pas vu celle-là. Cha-cha. Garden Wind. Ensuite. Une track? Oh, j'aime pas les tracks, mais bon. Remarquez, il y a un road rage derrière, on va faire plutôt le road rage, je préfère ça. Après, j'irai pisser, je pense. Ouais, je prévois mes coups comme ça va. Golden Wind! Ciao, ciao! Golden Wind! Vivement qu'ils sortent Stone Ocean, putain. En animé. Trop envie de voir. En plus, il y a une 9e partie qui a été annoncée là de JoJo. La 8e est sur le point de finir. Je suis trop impatient. De voir ce qu'ils vont. Est-ce qu'ils vont faire un remake encore comme. Josuke ou. Ou est-ce qu'ils vont prendre une toute autre histoire?
Parce qu'ils peuvent, ils pourraient faire un remake de Jolene et faire le retour. Il y a prescription maintenant, ça fait un moment qu'il est sorti en manga. À la fin de Jolene, il y a tout qui reboot. Donc s'ils pouvaient faire un parallèle entre le reboot à la fin de Jolene et le remake qu'ils vont faire maintenant, ce serait stylé. Ou alors ça va être comme Giorno, qui est le fils de Dio, ils vont faire le fils du premier méchant de Jojo partie 7 du coup. Soit Funny Valentine, soit le fils de Diego. Et ça serait assez drôle effectivement, en parallèle aussi du coup. Salut Thierry! J'aime le couscous. Je savais pas quoi mettre en message. Généralement, les messages que vous verrez pour annoncer le live, ce sera des messages à la con. Je peux juste dire bonjour. Eh ben, bonjour à toi, du coup. Comme je dis. C'est gentil. Déjà de passer. C'est pas la bagnole que j'avais visée, mais c'est pas grave. Je me demande jusqu'à combien je peux aller. Bon là, il y a que 30 secondes, donc je vais pas aller bien loin. Mais... oh, c'est mignon, est-ce qu'il a la queue de deux? Quand vous pensez qu'il y a plein de gens qui se sont mis au piano uniquement pour apprendre à jouer du Jojo. Moi t'inquiète. Crois-moi que dans les commentaires YouTube, j'ai déjà vu pire. Mais alors largement. Du genre, j'ai été obligé d'appeler quelqu'un pour déchiffrer le truc. Quelqu'un qui a l'habitude de déchiffrer des messages bizarres. Je voulais aller pisser, mais on va d'abord trouver une course, histoire de reprendre direct après. C'était écrit une question, en fait, sur ce que j'allais faire par la suite. C'était sur Bleach Soul Resurrection, je crois. Quelqu'un qui voulait absolument que je joue à ce jeu. Bonk. Elle fait quoi la musique? Ah, mise en pause. Ok, parce que je regardais plus. Bon, je vais pisser et je reviens. Non, j'ai dit en pause.
là là. Qu'est-ce que ça m'assure, c'est pas moi. Ouais, non, t'inquiète pas, c'est pas toi qui fais. Qui fait le pire. Donc il n'y avait pas tous les cours maintenant. Un emploi du temps de la mort. Ah ouais, à ce point-là? Bah, on se met le side au chest. Ah mais t'es une bagnole que je vais détruire, toi. Hop. La Kitano Hydros Custom est disponible à la casse. Elle est stylée en plus. C'est une bagnole de rallye. On est également seul. Encore cette course? Elle se valide pas en fait cette course. Je sais pas, j'ai l'impression que je la refais à l'infini. À chaque fois que je reviens, elle est plus validée. Ça fait 3 fois que je la fais aujourd'hui. Et j'ai repris la mauvaise route, n'est-ce pas? J'ai tourné pour l'autoroute. Pas le choix. On a quand même un sang. Faut vraiment que je le regarde cet anime. Je l'ai en réserve depuis qu'il est sorti et c'est. Allez, on les rattrape. Et merde. Deux. Comment il s'appelle? Nisekai Kido. Truc du genre. C'est un gars ultra musclé qui fait faire de la musculation à des filles, et c'est assez drôle. J'espère que je vais arriver avant. Ça a l'air d'être bon. Ah mais c'est celle où j'étais arrivé deuxième, c'est pour ça qu'elle était encore là. Ça s'appelle ouais, Onegai Muscle. Le manga. Par ici, les gars qui battent des records, c'est pas des pilotes normaux. Ils connaissent Paradise City.
pneumatiques comme leurs poches. Parce que même si tu as la voiture la plus rapide du monde, il faut que tu trouves le meilleur tracé. C'était DJ Diabolica pour partager son savoir sur... T'as digital lundi. Pour matin, 1h30 de français, après 1h30 de construction, pour français, 13h, bleu. En fait, ce qu'il y a, c'est le... En fait, tes cours, ils sont extrêmement espacés. Genre, à midi, t'as beaucoup trop de temps pour bouffer. Hop, tout neuf. Elle me dit quelque chose, cette musique. Ce serait pas Demon Slayer? Ouais, c'est Demon Slayer. Ouais, Goringue. Vraiment que je le mate Demon Slayer. Il y a trop d'animés en fait qui sont magnifiques sortis dernièrement. Mais le problème c'est que je me suis lancé dans la quête de regarder tous les Yu-Gi-Oh! Et c'est beaucoup. Peut-être pas autant que Pokémon, mais c'est beaucoup. Elle est belle, ce bagnole. Fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection. Je vais continuer tranquillement sur ce chemin. On va peut-être croiser une course. Viens voir, Popote. Oups. La Watson Air Turbo Roadster est disponible à la casse. Parfait. Je sais pas combien de bagnoles il me reste à débloquer, mais on en est à la moitié à peu près. Il y a encore des cours et qu'on avait 2 heures de sport et que la prof a mis une vidéo de 10 minutes, bah à la fin la moitié de la classe dormait. Ouais, tu m'étonnes. C'est comme nous avec Alix, à un moment on avait 2 heures de sport le matin et ensuite juste après la récréation on avait 2 heures de français. Et bah les 2 heures de français, personne n'écoutait, tout le monde dormait. Même la prof à la fin, elle s'était plaint du fait que bah on était mort après en fait. Et qu'il ferait mieux de remplacer le français par le sport. Sauf que au moment où elle a remplacé le français par le sport, et bah, tout le monde dormait parce que bah, c'était les premières heures. Donc tout le monde terminait sa nuit en fait. Donc dans tous les cas, on dormait dans son cours. Ouais, Noragami.
très bonne musique d'ailleurs. Les xénos. Mais vous devez être une bande de Space Marines pour être à 3 contre une bande de xénos entiers. Ça doit être des trucs hyper puissants que vous êtes. Ah ouais, elle est énorme, le pays. Hey kids. Hey kids. En vrai, je crois que les trucs qui sont sur la map, qui apparaissent sur la map, c'est des trucs que j'ai pas fait. Ça paraît très logique en fait, vu que j'ai l'impression que je augmente de 0% les trucs. Non, mais c'est juste que j'ai ça, moi. Par exemple la course ici. Est-ce que ça me la valide? Ça l'a validé. Très bien. C'est pour ça que ça n'apparaissait pas. C'est juste pour ça. Les persos parlent dedans? Moi bon, Jojo's Bizarre Adventure. Ah bah, tu peux pas aller pisser, c'est sûr. Putain, ils sont 3 maintenant. Avant, ils étaient 2. Ça augmente la difficulté. Oh putain, comment elle m'a sauvé la bagnole. Ils sont censés me traquer et me détruire, mais ils m'ont sauvé, quoi. Bien joué. Non, pas forcément. T'es pas forcément un culte. Les ouvertures, hier. C'était un truc de brocante, donc je m'attendais pas à grand chose. Mais ouais, c'était pas mal. J'ai pas eu du lourd. Mais à refaire, quoi. Si jamais c'est faisable. Ah bah c'est Yann qui va être content. Putain, ils sont sérieux là? J'ai même pas appuyé sur le bouton d'accélérateur. Ils m'ont juste envoyé, mais... Je peux pas conduire? Ils me rentrent dedans directement, ces bâtards? Ils m'ont détruit 2 fois. J'ai rien pu faire. J'ai même pas pu appuyer sur l'accélérateur. Yep. Ensuite. On a une autre track là. Ça a rien rajouté sur cette île en fait, non. J'ai déjà tout fait. Je vais aller voir combien de bagnoles j'ai. Ouais, mais Silhouette, c'est une des meilleures musiques de Naruto. Voire la meilleure. C'est l'opening que je préfère, personne. Je crois. Je
Alors, j'en suis à combien? 10 sur 75, c'est tout? Celle-là est faite pour les road rage, les courses, les cascades. Marrante celle-là. Bon, y a rien de mieux que celle que j'ai, mais. C'est une over licence. Ouais, aussi. Oh, pas tant que ça. Hein. Je sais plus laquelle m'avait pas marqué du tout. Justement, je l'ai même oublié, je pense. La 8e, je crois. Juste après le combat contre Pain. Il y a un opening, en fait, il m'a pas du tout marqué. Je le passais à chaque fois d'ailleurs. Faut que j'aille où en fait? Hop. Bah si, là c'est un truc de JoJo's Bizarre Adventure. Ensuite, celle-là je l'ai faite. C'était sûr que j'allais me foirer un bon. Ils sont trop hasardeux ces tremplins. Toujours tout droit.
Rocket League? J'y jouais avant, mais j'ai arrêté. Ah, ça, c'est un vieil opening. Ouais. J'essaie de faire un dérapage et puis je rentre dans une bagnole. Ouais. Evangelion. La Hunter Spur roule maintenant dans Paradise City. Si tu la vois, fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection. Ensuite, alors plus rien y avoir sur cette route. Est-ce qu'il y a un endroit où je suis pas beaucoup passé? Le centre-ville, hein. Ah oh bah la pluie je l'ai depuis que je me suis levé là vers midi et quart, donc juste qu'elle disparaît, et quand j'ouvre ma fenêtre et bah ça crée une piscine sous ma fenêtre, c'est cool. Salut toi. C'est une très belle voiture que tu as là. Ah! Bah oui, on me donne pas d'élan, je peux rien y faire. Quand t'as plus d'années. Ouais, là, les années, ça sert. Ouais. Totalement. Ah, petite course là. Oh, salut toi. Ils arrêtent pas de me larguer là en me passant à côté avec ces bagnoles. Hop là. La Hunter Manhattan est disponible à la casse. C'est un jeu online? Ouais, ça peut être un jeu online. Mais là, c'était pas des gens qui me passaient à côté. C'est juste des bots pour débloquer leur voiture. Si je les casse, ça me permet de débloquer les voitures. Ils doivent jouer à autre chose en même temps. Yann il joue à Alien. Matt il doit faire autre chose à côté. Peut-être ses devoirs. Putain. D'où un truc de réparation est placé comme ça. Ça nous casse plus qu'autre chose.
Ouais, voilà, t'es sur Genshin. Je passe par où? Voir j'ai fait ce matin. Je suis tellement content de plus en avoir, d'être voir. Ça m'a pourri la vie, mais ça savait pas à quel point. De toute façon, comme toutes les choses que je faisais, je les faisais qu'à moitié. Comme ça, le prof voyait que j'avais fait quelques trucs, donc il était content. Mais il voyait pas que j'avais pas fait la fin. Quand il passait pour vérifier. Bon, mis à part les profs chiants qui vérifiaient tous les exercices et tout. Mais bon, le temps que c'était pas noté, tu pouvais noter n'importe quoi, faire exprès de... Tu pouvais noter 5 plus 5 égale 12. Le gars, il vérifiait juste si t'avais écrit que t'avais fait exercice 1, 2, 3 et puis... les tâches quotidiennes de la vie. Ouais, ça dépend. Hein. Les seules tâches quotidiennes que j'ai, généralement, bon, c'est les tâches ménagères, les courses, et comme ça. Et je préfère largement ça au devoir. Au moins, ça sert à quelque chose, ce que tu fais. Alors que les devoirs... mis à part à avoir des notes et à apprendre des trucs qui te serviront sûrement à rien dans la vie. Genre, d'où tu vas apprendre ce qu'est, comment faire une tangente et tout, si tu fais pas de pâtisserie, la tangente t'en as un peu besoin peut-être, et encore, tu sais comment faire un angle droit en pâtisserie. Si t'es pas architecte, la tangente tu t'en fous. Apprendre ce truc en géométrie, quoi ça sert, par exemple. Ah bah les courses... Bah la tangente en pâtisserie pour fabriquer des gâteaux et tout, faut bien que ça faire la géométrie, des trucs comme ça. Je parle de tangente, mais tu peux avoir tout et n'importe quoi en géométrie. Et puis j'ai pris l'exemple de la géométrie, mais t'as plusieurs trucs. Après, par exemple, l'histoire et la géographie, ça, c'est pour la culture générale, pourquoi pas. Ah merde, c'était pas une voiture de course. Déjà droit. Ouais non mais pour les gâteaux bien compliqués à faire, genre les gâteaux de mariage, des trucs comme ça, un peu compliqué de faire si t'as pas les bases, on va dire, au moins. Si tu veux faire des trucs égaux et tout ça. Oula, voiture qui revient à l'envers. Général, mon faux perso, j'ai déjà la culture japonaise. Là, je parlais d'un détail. Engin en ruine. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce jeune? Ah!
Ah bah j'ai ma PlayStation qui a planté. Ah bah bravo Burnout. Il a pas aimé que je rentre dans un mur. J'espère que ça a sauvegardé. J'étais bon chien. Oh, Matt, alors. Quel blagueur, ce Matt. C'est Dragon Quest 11. Mon téléphone veut que je bannisse Yobé. À réfléchir. Son domaine au lycée, le très fort. Yobé, c'est Matt. Est-ce que ça a sauvegardé? Est-ce que j'ai toujours mon permis B? Ouais, c'est bon, j'ai toujours mon permis B. Ça sauvegarde après chaque course, a priori. Ça gâche tes miens. Y'a Platonia. Elle est magnifique cette. Là, je suis impatient de voir la suite d'Overlord. J'hésite même à m'acheter le light novel en anglais. En fait, tellement j'adore. Allez, ça commence bien.
Surtout que j'étais pas en très bon état, de base. Si, c'est bon, ok. Hop, aide. Mais qui c'est qui se garde sa bagnole ici? Il voit pas qu'il y a des runners. Une minute trente pour 4 minutes, ça va être simple. Mais qui c'est qui fout un mur ici aussi? Ah bah fais-toi plaisir. Le but est quand même que vous passiez une bonne journée, donc si pendant le stream vous vous ennuyez un peu parce que je joue mais que ça vous intéresse pas trop tout ça, autant que vous fassiez autre chose en même temps. Dégâts critiques, il me reste un tech down. Hop. Fait crever là pour un peu. Bien joué. Si c'était un jeu, j'ai le niveau d'un 6 joueurs. Je ferai le niveau 1, mais je joue en occasion. Je remets la tête, je prends la médaille. Ah ouais. Ok. Bah. Est-ce que t'arrives à gérer les tirs en l'air et tout? Moi j'ai toujours du mal. Merci. Mais putain, mais j'ai tellement pas de peau là! Les bagnoles qui se mettent n'importe où! Mais il y a des... C'est vraiment casse-couille, hein, ces routes là. Il y a des routes là, elles sont vraiment casse-couille. Les trucs qui sont... Les Feralgang cerises. Sérieux? Il y a des éperalgans avec des coups maintenant. Ah ça c'est pour les
les enfants qui sont chiants. Allez, on peut pas mettre en pause. Bah oui, vu que c'est un genre online. Là, on va faire un peu de cascade. Yo Alex. Il faut te renommer Kuzobo dans ce cas. Putain mais... C'est sérieux quand ça... Je me casse sur rien là. Va falloir que je recommence. Ces murs de merde. Ouais, va falloir que je recommence. Ouais, faut que je recommence. Ah putain, ces murs de merde. Voilà, peut-être qu'elle va fermer sa gueule. Je l'ai pas fait cette course. D'accord qu'il faut faire ça, puis ça, ouais.
Quand t'arrives sur une côte comme ça, tu peux pas voir la bagnole, c'est chiant. Les points, ils montent de combien en combien? La Montgomery GT 2400 roule maintenant dans les rues de Paradise City. Ça, c'est de la bagnole. Si tu la vois, fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection. Oh, mais en gros, premier, tu gagnes quoi? Tu gagnes 10 points par 10 points? Ou c'est 100 points quand t'es premier, ou un truc comme ça? Ou ça dépend de ta course, si t'as fait beaucoup de dérapages, ou comme ça? 15 points. À 17h30, tu seras pas un demi à 17h30 si c'est 15 points pour le premier. À plus Thierry. Pas une sortie comme ça où on voit rien. Hop là. Attends, le temps de prendre le nez.
Golden Wheels. Bonk. On a une course par là. À vouloir esquiver la voiture, je me suis fait avoir. Hop. C'est marrant, le pourcentage de jeu n'augmente plus comme l'autre fois. Oh, mais c'est pas un truc destructible, mais il faut pas le foutre derrière des trucs destructibles. Nul quand c'est comme ça. MP12 dans la rue. Si tu la vois, fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection.
Là on a ça. C'est celui que j'ai loupé je crois tout à l'heure. Enchaîne les cascades pour un maximum de points. C'est parti! Bah, je crois que j'ai gagné. Petit 50 000 là. Bonk. Matt qui a dit 1100. Bah 1100, en 10 courses tu l'as. C'est plus simple. Parce que tu joues bien. Du coup, est-ce que j'ai compris? Je vais passer à l'intérieur de la ville. Parcours, très bien. Là, c'est quoi? C'est une course. Ok. Ah bah ça les cuts, ça pardonne pas. Si tu les connais pas en vrai, dans ces jeux, tu peux rien faire. Putain, j'avais pas vu. Oh la gueule de ma bagnole.
Mais non, en fait. Pourquoi ils foutent un parking comme ça? Y a aucune utilité à le laisser ouvert, ce truc. Casse-toi! Hop là! J'ai chaud. Il n'y a plus que deux victoires et on a le permis A. C'est quoi ici? Une course, très bien. Ok, alors là la cinématique par contre elle m'a totalement fait perdre. Normalement la voiture est censée suivre le chemin qu'elle prend. Là la cinématique elle m'a totalement fait perdre le truc. Moi, bah logique, comme dans tout Grand Prix. C'est de la grosse course, ça. Mais genre, j'ai frôlé. Je vais traverser ce pont.
Ah putain. Pourquoi les bagnoles là, elles doivent toujours être placées au mauvais endroit quand j'arrive. Si je passe par là. Ouais non. Ah, c'est grave casse-couille ça par contre. Par là. Ils ont l'avantage. Ils ont grave l'avantage. Ah putain, ces raccourcis de merde. Mais ces routes qui veulent rien dire, on se paume tellement facilement. Quand c'est long comme ça, aucune indication là où faut aller et tout, c'est hyper chiant en fait. Putain. À plus Yann. Tu es désormais un pilote de catégorie A, mais pour faire partie de l'élite, tu dois démontrer ta domination totale des routes. As-tu le niveau nécessaire pour décrocher le permis de conduire Burnout? Faites l'amélioration de ton permis avec une nouvelle voiture. La Rossellini Tempesta a été livrée à la casse. Sono scivo, sono me. Ciao. Wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais avoir des points là. Trente mille, allez, quand même. Je crois qu'il y en a qui jouent à Genshin et d'autres à Alien ou un truc du genre. Là, j'étais pas censé me cracher.
Mais sur quoi je me suis crashé? Mais putain. Y avait rien. Bon bah c'est terminé, j'ai perdu. Je fasse la pêche avant le match. Il faut un peu de foi en soi, beaucoup de chance et pas mal de hasard. C'était la pause philosophique du jour de DJ Diabolica. Ah, je crois que j'avais dit de fermer sa gueule, meuf. Il y a pas possibilité, je pense, de la faire taire. Beau. Je pense que je vais arrêter là pour Burnout. Et je vais partir sur One PS. J'ai le permis A. On est passé de C à A aujourd'hui. La prochaine fois, on fera totalement le permis A. Épreuve trouvée 45 sur 120. C'est tout? Hop, c'est sauvegardé.